哦哦、uh, uh, uh. Impossible, possible L'impossible, possible. L'impossible, possible. Avec toi. La 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 la. La 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 la. la, la. La 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 Bonjour, bonjour à chacun de vous. Le Seigneur te bénisse. Bonjour. Mm -hmm. Bonjour à chacun, bonjour. Désolé pour euh, le petit retard que nous avons eu ce matin. Le Seigneur te bénisse. Vous savez, nous préparons nos journées avec le Seigneur Jésus. Puisse l'Éternel, notre Dieu, nous conduire tout au long de cette journée. Ok. Nous attendons nos frères, nous bénissons le Seigneur pour cette matinée. S'il te plaît, connecte-toi, abonne-toi. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre page, abonnez-vous pour avoir les notifications à chaque fois où nous aurons un direct. massivement, partageons aussi ce direct. Fais-le et le Seigneur te bénit. Vous savez que c'est une coutume pour nous. À la lumière des saintes écritures, donc, partageons la vidéo dans nos différents groupes, s'il vous plaît. Faisons-le pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. married to jesus, satan leave me alone. i am married to jesus, satan leave me alone. my husband is coming to take me away to everlasting life. i am married to jesus, satan leave me alone. I am married to Jesus, Satan leave me alone. My husband is coming to take me away to everlasting life. allons bénir le Seigneur pour cette journée. Disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour le don de cette nouvelle journée. Que sa gloire soit révélée dans nos vies. Que sa bonne main parle en notre faveur. Que Dieu guide nos pas. Dans les chemins de la justice et de la vérité. Nous prions au nom souverain de Jésus. Seigneur, te bénissons et nous te louons parce que tu es vrai. Merci pour les dons de cette journée. Nous reconnaissons. Seigneur, que c'est toi qui nous bénis en nous donnant des jours nouveaux. Et nous prions que cette journée glorifie ton nom, que nos vies en cette journée glorifient ton nom. Donne-nous de marcher sur les sentiers de la justice et de la droiture, pour que seul ton nom soit élevé et glorifié. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que le Saint te bénisse. Tu as fait cette prière avec foi. Le Seigneur sera ton berger tout au long de ces journées. Comme David a dit, Yahweh Rochi, Loéchar, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Nous allons prier que tous les pièges de l'ennemi tout au long de ces journées échouent. Oh, que leur plan échoue. Que leur conspiration échoue. Dans le nom souverain de Jésus. La Bible dit... C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Nous allons demander que le Seigneur Jésus nous délivre du filet de l'oiseleur. Tout filet que l'oiseleur tentera de lancer contre nous, nous anéantissons et avilissons ce filet. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons et nous célébrons ta grandeur et ta fidélité. Nous prions pour la protection divine tout au long de cette journée. Tu nous garderas de toutes... Inspire toute conspiration de nos ennemis, de tout piège, Seigneur, de tout accident, de tout incident malheureux que l'ennemi a mis devant nous pour pouvoir détruire notre vie et nous voler notre joie et nous faire vivre dans la tristesse. Seigneur, déchire le filet de l'oiseau, préserve nos vies de tout filet de l'oiseau tout au long de cette journée. Merci parce que tu nous as exaucés au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vient de déchirer le filet de l'oiseleur qui est étendu contre cette journée de mercredi pour toi et pour moi. Le Seigneur combattra pour toi, le Seigneur sera ta sécurité, il sera à tes côtés et il te préservera de tout mal. Si tu as foi, tu dis Amen. Et il en sera ainsi dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous allons prier pour prendre possession de la porte de cette journée de mercredi. Nous voulons prendre possession de la porte de la journée. Celui qui prend la possession de la porte de sa journée a pris possession de toutes les bénédictions que Dieu a préservées, réservées pour lui pour la journée et puis il peut contrôler. Voilà, il peut contrôler la journée, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut appeler à l'existence dans ces journées des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Nous allons demander Seigneur, donne-nous la possession de la porte de cette journées. La Bible dit il te donnera. Tu posséderas les portes de tes ennemis, la porte de tes ennemis. Nous possédons la porte de mercredi. Nous sommes dans la prière. Prends possession de cette journée. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous prenons possession de la porte de cette journée de mercredi. Seigneur, nous commandons et la chose arrive. Nous fermons et personne n'ouvre. Nous ouvrons et personne ne ferme à cause de ta grâce dans nos vies, à cause du manteau, de l'alliance que tu nous as donnée par la mort de Christ sur la croix. Nous glorifions ton nom. Mercredi, nous te soumettons, nous prenons possession de tes portes et nous commandons que rien que la bénédiction viendra de toi. Le malheur est enfermé. Oui, toute mauvaise nouvelle est enfermée, tout mauvais événement est annulé dans le nom précieux et souverain de Jésus-Christ. Seigneur, merci parce que tu m'as donné possession de la porte de ma journée. À toi la louange et la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, tu as fait cette prière avec foi sache que Dieu te donne contrôle sur ta journée et l'ennemi ne contrôlera plus ta journée parce que le danger c'est lorsque l'ennemi contrôle ta journée si nos ennemis contrôlent les portes de notre journée ça veut dire qu'ils contrôlent aussi les portes de nos mois s'ils si contrôlent les portes de nos mois, ils contrôlent les portes de l'année et dans tous les cas ils contrôlent les portes de, 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 de ta destinée c'est dangereux lorsque quelqu'un d'autre tient les clés de ta vie donc merci Jésus, tu dis merci au Seigneur pour la délivrance qu'il t'a apportée. Aujourd'hui, nous bénissons son nom parce qu'il est souverain et il est fidèle. Seigneur, merci. Commence à rendre grâce à Dieu. Dis-lui merci parce que tu crois qu'il t'a visité, il t'a béni. Tu crois que sa main forte et puissante est avec toi et qu'elle t'accompagnera dans tout ce que tu entreprendras tout au long de cette journée. Que la gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur. Au nom souverain de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Donc et voilà, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous avons, nous avons dit, j'ai dit que nous allons, nous allons euh, lire, partager une histoire aujourd'hui, par la grâce de Dieu, et comme je l'ai annoncé hier. Donc connecte-toi s'il te plaît, envoie la vidéo dans tes groupes, envoie la vidéo dans tes groupes. Pour que cette grâce puisse être partagée avec un maximum de personnes. Envoie la vidéo dans tes groupes, s'il vous plaît. Faisons-le pour la gloire de Jésus. Tu ne le fais pas pour un nom. Partage dans les groupes. Partage la vidéo, s'il te plaît. Invite des amis à le suivre. Envoie le lien, même après. Prends le temps avant de partir au travail. Envoie le lien. Un maximum de personnes doit être connectées par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alors, hier, nous avons dit dans notre enseignement, lors de l'enseignement d'hier, que. Nous devrions aujourd'hui parler euh, de, du rôle de la femme dans le foyer. Mais nous n'allons pas parler du rôle de la femme aujourd'hui. On ne va pas parler du rôle de la femme aujourd'hui. Mais on va parler plutôt d'un témoignage. Toujours on va parler de violences euh, conjugales. Violences conjugales. Je vais m'excuser, je devais m'organiser là, je suis rentré hier, j'étais. Je me suis couché trop tard, vraiment. Donc on va parler de violence conjugale. Violence conjugale. Voilà. Et j'ai parlé hier, nous allons voir un cas, parce que vous savez, il y a des choses dans l'église sur lesquelles nous avons gardé silence. Nous gardons le silence. Personne ne parle. Et le mal ne fait que grandir. Personne n'ouvre sa bouche pour parler. Le mal continue, la gangrène continue et l'église de Dieu est malade. L'un des domaines dans lequel nous avons échoué en tant qu'enfants de Dieu, c'est le domaine du mariage. Pourquoi? Parce que c'est un domaine tabou, les gens ne veulent pas en parler. Et en tant qu'homme de Dieu, plusieurs d'entre nous, nous n'arrivons pas à prêcher sur le mariage parce que nos mariages ne sont pas un exemple. Parce que si tu prêches, ta femme même peut venir arrêter le direct pour dire que toi qui prêches, et si tu es un modèle dans cette maison, tu me tapes tous les jours, tu m'insultes tous les jours, tu insultes mes parents tous les jours, etc. etc. Donc ça fait que c'est un domaine où on ne parle pas si on n'a pas été un modèle, si on n'est pas un modèle soi-même. Parce que quand tu vas faire, c'est tes propres brebis qui vont demander que celui-ci parle comment Puisque sa vie lui-même avec sa femme n'est pas un modèle, n'est pas un exemple. La même chose avec les foyers chrétiens aujourd'hui. On n'arrive pas à aborder les questions maritales parce qu'en réalité, on ne vit pas un mariage, on vit la catastrophe dans nos foyers, vous voyez. Donc beaucoup de personnes n'arrivent pas à aborder ce sujet parce que leur conscience les juge, parce que c'est un sujet qui demande que toi-même tu puisses être un modèle ou un exemple ou une source d'inspiration, une référence dans ce domaine-là. C'est pour cela, je pense, que beaucoup d'enfants de Dieu et beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à parler du mariage ou pas le sommairement sans entrer dans les profondeurs sur le plan caractériel, le rapport entre mari et femme. Ouais, donc pour moi, je pense qu'il est important qu'on puisse arrêter de négliger ce domaine pour entrer et regarder. Et quand on ne fait pas cela, il y a donc beaucoup de souffrances dans les foyers. Il y a des hommes qui souffrent dans nos maisons. Il y a des femmes qui souffrent dans nos maisons. Et je pense que c'est une lourde responsabilité que d'en parler. Et ne pas en parler est une grande négligence et ça fait qu'il y a continuation, continuité des, des gangrènes dans les foyers, des souffrances, des vies qui sont détruites à cause du mariage. Il y a des personnes dont leur vie, dont les vies aujourd'hui sont une épave. Il y a des hommes dont la vie est une épave aujourd'hui à cause d'une soeur qu'ils ont épousée, d'une femme qu'ils ont épousée. Qu Il y a des femmes dont la vie est une épave dans l'église aujourd'hui. À cause d'un mariage qui a été contracté. Donc, le mariage est une, grande source de bonheur, est une grande source de bonheur, mais en même temps, le mariage peut aussi être une grande source de destruction, une grande source de, 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 de désagrégation de votre vie, de votre existence et de votre destinée. Ouais. Il y a des gens qui se sont mariés, qui ont qui sont devenus grands. Il y en a qui se sont mariés, qui étaient grands, qui sont devenus des épaves aujourd'hui. Ils sont l'ombre d'eux-mêmes, donc il faut regarder le problème de plus près quel est le problème nous allons nous baser sur les saintes écritures, la responsabilité de l'homme dans le foyer, c'est la deuxième partie, et nous allons voir le cas d'un homme de Dieu d'un serviteur du Dieu vivant, d'un prophète et le témoignage qui a été donné lors de direct d'hier c'est une soeur qui nous a envoyé je ne vais pas lire son nom mais je vais juste lire le témoignage voilà, on ne va pas parler du nom de l'homme de Dieu, ni de son épouse. Mais on va juste lire le témoignage. C'est vrai que le témoignage, là vraiment, je n'ai pas eu le temps de l'ordonnancer. On va juste lire comme ça. Je vais lire quelques bribes. Et ça va vous donner des idées. Nous sommes des grandes personnes ici. Euh... Euh, voilà. Je vais lire où Donc, voilà, je vais lire le témoignage. Le témoignage dit... Vous pouvez retrouver l'intégralité du témoignage dans mon direct d'hier. Donc, le témoignage est là-bas. L'intégralité, dans les commentaires. C'est dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que le commentaire dit Il dit... Et après, cela étant en scène. Ça, c'est pas le début. Hein, je lis, on va coller après. Parce que je n'arrive pas à me retrouver là. Euh... Et après cela, étant enceinte, elle avait une grossesse extra-utérine. Bon, ici là, on n'a pas tout mis. Nous, les fidèles, moi et mon mari principalement, nous sommes allés prier avec eux chez eux pour que le fœtus prenne la bonne position. Car rien n'est impossible à Dieu. Et déjà après six ans ensemble, elle avait des problèmes d'enfantement, alors ce bébé devait être considéré comme une bénédiction. Mais à notre grande surprise, le mari, le prophète, dit que Dieu lui a révélé d'aller faire l'opération sur sa femme, que l'enfant n'est pas pour lui. Voilà, c'est que l'enfant n'est pas de lui. C'est comme ça, toute la nuit, nous, on priait pour annuler tous les projets du diable, mais son mari priait que Dieu envoie des personnes. Dieu envoie des personnes. Avec l'idée, c'était que Dieu envoie des personnes qui vont donner l'argent pour que l'opération puisse bien se passer. Voilà. Oh là. Donc... Et... Voilà. Elle dit, vraiment triste ma soeur. Mais c'est une histoire vraie et réelle. Je n'ai rien à rajouter. Si oui, j'ai juste à améliorer, car c'est une longue histoire de six ans de maltraitance. Oui, il a des fidèles, mais après le départ de sa femme, l'église a chuté il y a à peine 10 à 15 membres. Il veut, il veut changer de ville pour s'installer à Yaoundé où on ne le connaît pas. Maintenant, euh... L'histoire raconte, vous pouvez voir le, té le témoignage là, liste, dans le commentaire d'hier. L'histoire raconte, elle raconte donc que le mari va aller retrouver son épouse qui venait de subir une opération, c'est-à-dire euh, un accouchement par césarienne. Je ne sais pas ce qui s'est passé, et il va gifler sa femme à l'hôpital et elle va tomber devant les gens. Et après, donc, il va abandonner sa femme là-bas à l'hôpital et s'en aller. Et la femme quittera, je sais pas quelle ville, ou c'est Yaoundé, je ne sais pas vraiment, je sais pas de quelle ville, avec l'opération. Le ventre qu'on vient de coudre pour aller retrouver la sœur qui a rendu témoignage. Hmm. Donc, je pense, elle dit que la, elle quittera, la femme quittera dans le doigt là pour venir chez moi avec une plaie ouverte. J'ai pleuré, je l'ai prise et j'ai gardé pendant plus de trois semaines sans que mon mari ne soit au courant. Le jour qu'il a su qu'il m'a envoyé le message, dit à Momi que j'arrive. Ce que j'ai fait et sa femme était dans la joie que son mari venait la chercher. Donc c'est le mari qui dit à la soeur, qui dit à mon ami que j'arrive. Ils vont arranger ce que j'ai fait et sa femme était dans la joie que son mari venait la chercher. Ils vont arranger leur problème. Lorsque monsieur est arrivé vers 16h, vous allez m'excuser, il n'y a pas de ponctuation dans le texte, donc j'imagine. Il a salué tout le monde chez moi sauf sa femme. Alors, nous étions tous assis au salon, devant mes enfants, qui étaient aussi membres de cette église. Après deux minutes assis, il demande à mon mari. Il demande à mon mari. Lui, il dormait et envoie mon fils le réveiller. Mon mari était déçu par lui et ses agissements. Il tardait à venir, mais comme il est très croyant et respectueux, il est venu. Il dit en anglais à mon mari. Qu'ils aillent causer deux minutes dehors. Les voilà partis. Arrivé dehors, il dit à mon mari :« Comment tu peux garder cette femme chez toi Après tout le sabotage qu'elle a fait sur vous, elle vous, elle vous a insulté partout. Euh, vous ne la connaissez pas, c'est moi que vous connaissez. » Mon mari répond :« Si tu veux dire ce genre de choses sur momie. elle est dedans. On parle, tu parles devant elle. » C'est comme ça qu'ils reviennent et demande une réunion à quatre dans la chambre, puisque mes enfants étaient au salon. Et je refuse. Je dis, va causer avec ta femme. Moi, ça ne me concerne pas. C'est là qu'il se met à me gronder. Que je garde sa femme sous mon toit, en vertu de quoi Et la voix est montée et on a clashé. Il est parti disant merci à sa femme. Dans tout ça, la dame ne parle rien du tout. Du début à la fin, elle est restée en prière et demandait toujours à Dieu de changer son mari. Et moi, j'étais dépassé. Après trois mois, elle m'a dit merci et est partie de chez moi. Aujourd'hui, elle ne s'est pas encore remise avec son mari, mais je sais que c'est son désir puisqu'elle me le disait tout le temps. Alors, d'ici, vous pouvez prier pour elle pour qu'elle trouve la paix dans son foyer et revienne avec son mari. Voilà la dernière histoire qui m'a choqué sur la relation de notre prophète et qui m'a laissé penser que l'Église est juste un business. Voilà. Mais depuis deux semaines que je viens chez vous, j'essaye de voir les choses autrement. Euh, donc voilà le témoignage, un témoignage que, que nous avons reçu. Et c'est l'histoire d'un homme de Dieu. Je ne suis pas là pour juger un homme de Dieu. Mais nous nous intéressons à ce cas sur le plan éducatif chrétien. Voilà. Donc ce qui m'intéresse ici, voilà. Pas, pas seulement jusque-là, ma soeur, il a aussi demandé aux filles de son église de jeter sa femme hors du temple, en plein culte. Vous voyez Il a demandé aussi aux filles, à ses filles, Demandez aussi aux filles de son église de jeter sa femme hors du temple en plein culte. Vous imaginez ça Ça veut dire que le culte est en train de passer. Le prophète a arrêté le culte. Il a dit aux filles, portez-la, jetez-la dehors, devant, euh, devant euh, les fidèles. Donc, il dit, elle dit, c'est vrai, a dit, je connais un prophète qui bastonne sa femme. Et il se met sur son pupitre et dit que ce n'est pas Dieu qui lui a donné cette femme. Et la méprise. Oui. C'est le témoignage d'Athéna. Maintenant, nous allons lire un verset biblique dans Colossiens chapitre 3, le verset 19. La Bible dit, Oi Andres, agapate tas gunaikas, pros Et vous hommes, et vous maris, en français, on dit, ne vous aigrissez pas. Non, aimez vos femmes. Agapate tas gunaikas. Aimez vos femmes. Et ne vous aigrissez pas contre elle. Maintenant, il faut savoir que quand on dit ne vous aigrissez pas contre elle, puis craigno, veut dire ne les rendez pas amères. Ne les rendez pas amères. Ou bien ne vous mettez pas, ne leur faites pas vivre vos colères. Cette femme ne doit jamais te voir en colère. Ouais, ne vous mettez pas. Ici, là, quand on parle de Pikraino, ça veut dire terroriser une femme par la colère. Ça le colère. Le mot colère même, ça veut dire une colère brutale. Ou bien, ne les brutalisez pas. Voilà ce que Pikraino veut dire en grec. Ça veut dire que ne rend pas ta femme amère ou triste. Ne rend pas sa vie amère, son cœur amère, son âme amère. Il y a des mariages où la femme, son âme est amère. La femme a perdu ce qu'on appelle la joie. Elle ne connaît plus ce qu'on appelle le sourire. Donc, et ne les rendez pas amers. Ou bien, ne les faites pas vivre de violentes colères. Eh, Peut-être qu'il y a une expression pour mieux exprimer cela. Ou ne les violentez pas. Donc, mes chers amis, on va parler à la lumière de, de ce verset biblique et on va voir. Donc, voici l'exemple le, le, d'un homme de Dieu qui demande en plein culte qu'on chasse sa femme de l'Église. Vous voyez, beaucoup d'hommes de Dieu se accusent, passent le temps à accuser d'autres qui réussissent en disant non, c'est la sorcellerie. Ceux-là ont pratiqué. Quand tu vas entendre un homme de Dieu parler, il va accuser l'autre en disant non, l'autre réussit parce que c'est la sorcellerie. Non, il a trempé sa main quelque part parce que le genre de personne qu'il rassemble là, ou bien le genre de réalisation qu'il fait là, on ne peut pas faire ça avec Dieu. Ça, ce n'est que Satan qui peut réaliser ça dans la vie de quelqu'un. Mais la personne ne vous dira pas qu'en fait, elle ne respecte pas les principes bibliques du mariage, par exemple. Un homme qui bat sa femme, un homme qui violent sa femme, comme dans ce témoignage, Dieu ne peut pas l'exaucer, parce que nous avons vu ça dans le texte que nous avons partagé hier. L'apôtre Pierre explique clairement que tout homme qui méprise sa femme, qui n'honore pas ta femme, sa femme et qui n'aime pas sa femme, ses prières ne seront pas exaucées. Non, ça dit ce comportement serait un obstacle pour son ministère, pour sa prière. Donc c'est la même chose. Un homme de Dieu qui bat sa femme, un homme de Dieu qui méprise sa femme, je vous le dis en toute vérité, Dieu ne peut pas être d'accord avec un tel homme. C'est pas possible. Un homme de Dieu ne devrait pas insulter sa femme en plein culte, même pas lui faire des reproches en plein culte. Les gens ont été témoins du mariage que j'ai eu à vivre. Je n'ai jamais fait un reproche à mon épouse en plein culte, jamais. Je n'ai jamais grondé devant les gens. Je n'ai jamais fait de reproches. Je n'ai jamais reprise devant les gens. Ce n'est jamais arrivé. Pourquoi Parce que ton épouse, en réalité, c'est un peu ton adjointe dans ton ministère. C'est dangereux lorsqu'un homme de Dieu abandonne sa femme parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas dans l'église, dans le foyer, hein, il y a des signes qui ne trompent pas. Mais si tu dis quoi, tu nous expliques quoi, on n'est pas bête, on connaît. Lorsque c'est dans ton église, la deuxième personne, c'est pas ta femme, ça, ça pose un réel problème. Lorsque ta secrétaire est ton bras droit dans ton ministère ou bien c'est la diaconesse ou bien c'est pas telle sœur dans ton euh, ton, 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 ton staff qui est ta, ta main forte dans le ministère, lorsqu'il y a quelqu'un qui passe devant ta femme dans ton ministère, c'est un sérieux problème, mes amis. Vraiment désolé, hein. c'est ma manière de penser. C'est un sérieux problème. Parce que il n'y a personne qui va t'aimer dans ton ministère plus que ta femme. Il n'y a personne qui va te défendre plus que ta femme. Il n'y a personne qui va te défendre les intérêts de ton ministère plus que ta femme. Si après toi, c'est d'autres personnes qui viennent après ton épouse, avant ton épouse, ça montre tout simplement que quelque chose ne va pas. Il n'y a pas une confiance entre toi et elle. Il y a une crise de confiance entre vous dans tous les cas. Lorsqu'un homme de Dieu fait des reproches publiquement à sa femme dans son ministère, comment veux-tu qu'on respecte ta femme Ou bien comment veux-tu qu'on te respecte toi-même Puisque dans ce que nous appelons nos brebis, il y a des personnes qui ont une dignité. Il y a des brebis intelligentes qui ont quand même le sens de l'honneur et de la dignité. Il y a des brebis qui n'accepteront jamais. Lorsqu'un pasteur piétine sa femme en public ou bien encourage son église à aller mépriser sa femme, il y a des hommes de jeu, il y a des brebis qui vont refuser, qui ne suivront pas. Et je vous donne un conseil, en tant que brebis, en tant que chrétien, vous ne devez pas suivre bêtement vos pasteurs. Ne nous suivez pas bêtement. Je répète, moi-même qui parle, ne me suivez pas bêtement. Tout ce que je fais, rendez-vous compte et à l'évidence que cette chose-là vous rapproche de Dieu, qu'elle est biblique. Que la volonté de Dieu est dedans, que cette révélation vient de Dieu, c'est important. Si j'arrive aujourd'hui et je commence à vous enseigner des choses bizarres qui n'ont aucun fondement biblique, aucune source d'inspiration biblique, mais méfiez-vous, soyez comme les chrétiens de Béret. Si je viens en tant que pasteur, je vous dis tapez ma femme, vous n'allez pas obéir parce que je suis votre père spirituel. Mais dites moi, euh, Daddy, vraiment désolé, on ne peut pas faire ça. L'écriture nous défend de le faire. L'homme ne doit pas mépriser sa femme et qui plus est en public. Non. Dans ce caractère, un homme de Dieu, il y a des hommes de Dieu qui passent leurs épouses au conseil de discipline. Par exemple, c'est-à-dire que tu as un ministère, il y a le conseil des anciens. Comme par exemple, nous, on a un conseil de discipline. Il dit, OK, mon épouse doit passer au conseil de discipline. Elle la passe. Et c'est les brebis qui jugent la mère. Non, mes amis, il y a des choses qu'on ne fait pas en tant qu'homme de Dieu. C'est pour cela que ce comportement fait en sorte que ton ministère ne peut pas aller de l'avant. Il y aura des difficultés dans ton ministère, il y aura des cassures, des brisus. Dieu ne soutiendra pas toujours ton ministère parce que... Tu n'es pas un homme juste. Un homme de Dieu doit être une personne juste. Un enfant de Dieu doit être juste. Un mari doit être juste dans son foyer. Il doit respecter ta femme et tout un gouvernement. Ta femme, c'est tout un gouvernement que tu dois savoir gérer. Et Dieu respecte nos épouses. Dieu les respecte. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Excusez-moi. La Bible explique que lorsqu'il y a eu des, des clashs dans le foyer d'Abraham, vous allez m'excuser, on n'aura pas d'appel. Euh, ces jours-ci, parce que c'est un peu trop sérieux. J'ai besoin de temps pour te parler. Tu peux envoyer tes sujets de prière par message. Donc, la Bible explique qu'il y a eu un clash entre Abraham et Sarah. Il y a eu une grande crise. Une très, très grande crise, vous voyez. La crise, c'était autour d'Agar. Pourquoi Parce que Agar était belle, elle était jeune, elle était pimpante, et sexuellement, elle était, elle était forte. Elle a su prendre Abraham. Et donc, à ce moment, elle voulait qu'Abraham chasse Sarah, pour devenir l'épouse légitime. Et Sarah a dit que mon ami, tu t'amuses avec moi, mon mari, on joue avec, je vais te maltraiter. Et la Bible dit que Sarah a commencé à maltraiter Agar. Elle a oublié même qu'elle était servante de Dieu ou une prophétesse. De la maltraiter Agar. Et la Bible dit que Abraham ne voulait pas faire ce que Sarah demandait. Sarah lui a dit chasse cette femme de ma maison avec son fils. Abraham a dit non, c'est la mère de mon enfant, je ne peux pas les chasser. Et la Bible dit quelque chose. Il faut que tu m'écoutes attentivement, s'il te plaît. La Bible dit quelque chose. Sarah était triste. Sarah se sentait aigrie. Sarah était amère. Son âme était dans la tristesse. Elle se sentait mourir. Et son mari a refusé de chasser sa servante et son fils. Et puis, vous imaginez, en plein journée, Saraï pouvait voir Abraham jouer avec Aga et avec Ismaël. Ils sont en train de jouer là-bas. Et Saraï a dit, Aga lance un, jeu, un regard furtif. Elle jette Sarah. Et elle et a nargue en plus. Parce que jeter, c'est vraiment dans le sens de narguer. Vous voyez, elle ricane. Et puis Sarah se sentait marginalisée. Abraham était avec son autre femme, avec son fils. Et Sarah se sentait méprisée, rejetée. Elle était échelée. Et pourtant, c'est elle qui avait eu cette idée-là. Donc, la Bible explique. Je me dis certainement que Sarah est allée prier Dieu. Et la Bible explique qu'une nuit, pendant que Abraham était en train de dormir, Dieu lui apparaît en rêve et Dieu lui dit, pourquoi refuses-tu à ta femme ce qu'elle te demande Elle t'a demandé de chasser ta servante et ton fils. Fais-le, accorde-lui tout ce qu'elle te demandera. Dieu ne prend pas le parti d'Abraham dans cette histoire. Non. Dieu ne prend pas le parti d'Abraham. Il prend le parti de la femme. C'est ça que j'ai dit que le gouvernement de la femme est soutenu par le ciel. Toute injustice du mari vis-à-vis -vis de son épouse. Le ciel note cela et le ciel répondra tôt ou tard au mari. Donc chaque mari doit revendiquer, doit rectifier son caractère vis-à-vis -vis de sa femme. La femme est soutenue par le ciel. La femme est un gouvernement qu'il faut respecter, qu'il faut diriger avec sagesse. C'est ça que l'apôtre Paul dira que, mari, ne vous aiglissez pas contre vos femmes. C'est-à-dire que n'usez pas de violence envers vos femmes. La violence est à proscrire. La Bible proscrit la violence. L'homme ne doit pas violenter sa femme. Non. Il dit oi andres et vous à vous les maris. Il dit agapate tas gunaikas, aimez vos femmes. Et le mot aimer, le verbe aimer ici agapao, c'est l'amour agapé ou bien l'amour inconditionnel. Ça veut dire quoi Aime ta femme sans rien attendre en retour. L'homme doit aimer sa femme Malgré ses faiblesses. C'est ça, c'est ça qu'il utilise. parce qu'il y a plusieurs, il y a plusieurs, euh, mots amour. C'est-à-dire, il y a plusieurs amours, en grec. Mais cet amour, il y a l'amour t'anatos, par exemple. On parle pas de cela. Il y a beaucoup d'amour. On a ici, il parle de l'amour agapao. L'amour agapao, c'est l'amour inconditionnel. Donc il dit que le mari doit aimer sa femme d'une manière inconditionnelle. Ne regarde pas qu'elle bavarde trop, ne regarde pas qu'elle te méprise, ne regarde pas qu'elle te manque de respect, ne, ne regarde pas qu'elle ne prépare pas bien, ne regarde pas qu'elle te répond quand tu... Non, 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 non. Pour un début, tu l'aimes d'abord, tu mets la base. Amour agapao, amour inconditionnel. Amour qui ne s'appuie pas sur les faiblesses de ta femme. Amour qui ne t'appuie pas sur ses manquements. Mais amour qui prend ses manquements pour l'éduquer. Qui l'amène à comprendre, qui l'éduque, qui l'aide, qui lui tend la main dans son puits pour la sortir. Ça veut dire que tu as pris ta femme, il y avait des manquements dans sa vie. L'amour agapao te permet d'abord de supporter ses faiblesses et de l'aider, de l'éduquer pour faire d'elle une meilleure personne, pour faire de son univers un bel univers pour toi, un univers de joie, un univers où tu peux être épanoui, toi et elle. Donc, l'amour que le mari doit avoir pour sa femme, c'est l'amour agapao. Tu dois agapao ta femme. Et c'est de cet amour que Christ nous a aimés. Vous savez que nous avons tellement de faiblesses, tellement d'infidélité vis-à-vis de Jésus. Par jour, combien de fois tu es infidèle vis-à-vis -vis de Dieu dans tes voies Combien de fois nous péchons Combien de fois nous nous rendons indignes du salut qui nous a été donné Mais est-ce que Jésus ne continue pas à nous aimer C'est comme ça que nous devrions aussi aimer nos épouses comme Christ nous a aimés. Ça dit, d'un l'amour agapao, l'amour inconditionnel. Ne dis pas nous, elle ment trop. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle cesse de mentir Qu'est-ce que tu as fait Si ce n'est que tu es entré en guerre avec elle, tu l'as violentée et ça ne l'a pas aidé. Cela l'a plutôt amené à s'égarer encore davantage. Noël bavarde beaucoup. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle cesse de bavarder Nous gagnons nos femmes par l'amour. Nous ramenons nos épouses par l'amour, cher Marie. La violence ne résout rien. Un homme ne doit pas s'aigrir contre sa femme. Il dit non. Nous ne devons pas nous aigrir contre nos femmes. Mais nous devrions plutôt usé d'amour à Dapao. Donc c'est dangereux lorsqu'un homme, au lieu de résoudre les problèmes par la douceur et la maturité, par la sagesse comme l'apôtre Pierre nous a enseigné hier, veut plutôt montrer à sa femme qu'il est homme. On ne montre pas qu'on est homme par la violence ou par le coups de poing. Non. Ou bien par des paroles blessantes. Non. Là, tu n'es pas un homme. On montre qu'on est homme par la maturité. On montre qu'on est homme par l'amour à Dapao. Ta femme, elle fait des choses. Et imaginez-vous quelqu'un qui vous blesse. Et vous lui dites, bébé, chérie, vous lui donnez des paroles doucereuses. Et cette personne, vous blesse encore demain. Mais vous amortissez ces égarements par l'amour. Vous voyez, vous êtes plein d'amour, plein de compréhension. Cette personne, cette femme, je te dis la vérité, même si le diable qui l'a envoyé elle va se convertir. Elle va se convertir. Son cœur sera brisé. Elle dira, non, l'homme, si. L'homme, si, ne mérite pas ce que je fais. L'homme, si, ne mérite pas un caractère comme cela. Elle, sera, elle va s'auto-délivrer. Il y aura auto-délivrance. Elle même va enclencher. Le processus de sa propre délivrance. Pourquoi Parce qu'elle a en face d'elle un homme qui ne mérite pas la méchanceté. Un homme qui ne mérite pas des paroles dures. Un homme qui ne mérite pas la violence. Pourquoi Parce qu'elle voit combien tu l'as supporté. Même si c'est comment. Je vous dis la vérité. Ma belle famille peut témoigner. Mireille, ma belle sœur elle peut témoigner. Mon épouse, je ne peux pas compter combien de fois elle se mettait à genoux devant moi. Non pas qu'elle était violente, c'était une femme très douce. Très douce, mature. C'est pour ça qu'elle dit que le mariage, ce n'est pas, pas une histoire d'âge. Non, c'est une histoire de choix. Plusieurs fois, elle me disait merci mon mari. Merci papa. Merci pour l'amour que tu m'as montré. Merci pour cet homme que tu es pour moi. Parce qu'elle se souvenait quand même que dans les domaines, les jours où il n'y avait pas d'enfant, je ne lui ai jamais dit que comment tu n'accouches pas. Voici un an, deux ans. Voici trois ans. On n'a pas d'enfant comment? Non. J'avais ma philosophie du mariage, j'ai ma philosophie. Ce n'est pas elle. Qui a voulu euh, ne pas avoir d'enfant Quelle femme va se marier pour dire qu'après je veux être stérile Non. Quand il y a un cas, quand. Ta femme, mais aujourd'hui même les pasteurs ne supportent pas leur femme. Tu vas voir un pasteur, il dit je veux me remarier. Tu demandes pourquoi parce que ma femme n'accouche pas. Tu vois un frère, non non je veux me remarier. Pourquoi frère Mon épouse n'accouche pas. Frère, tu ne peux pas divorcer de ta femme parce qu'elle est stérile. Ce n'est pas biblique. Abraham devrait divorcer donc de Sarah. Mais tu n'as jamais vu que la Bible a expliqué que Abraham voulait se séparer de Saraï parce que Sarah n'accouchait pas. Ou bien Isaac. Isaac ne s'est pas séparé de Rebecca parce qu'elle n'accouchait pas. Donc c'est un mauvais motif. Tu ne dois pas t'aigrir contre la femme, la violenter, lui donner des paroles. Vraiment, ça, c'est moi qui que j'ai épousé. C'est un homme, c'est un bois sec. Elle n'arrive pas à mettre les enfants. On voit ça dans les couples chrétiens comme ça aujourd'hui. Plein de violence dans les couples chrétiens. Tu vois l'homme de Dieu. Je n'ai pas pu lire la partie là, mais lisez cette partie dans le témoignage d'hier. La femme va accoucher par césarienne. Il va d'abord demander qu'on fasse la césarienne et on va faire la césarienne. Pourtant, ils ont prié que l'enfant soit bien placé. C'est quand on fait la césarienne qu'on se rend compte que l'enfant était bien placé. Moi aussi, je me demande parfois eh, quel genre d'hôpital, nous avons au Cameroun. Il fallait faire des examens. Donc, quand on trouve comme ça, on ne peut plus, il n'y a plus moyen, on a ouvert le ventre. On retire donc l'enfant, on va coudre. Le, le monsieur n'est pas là. Quand il arrive, le prophète arrive à l'hôpital, on ne sait pas ce qui s'est passé, et il gifle sa femme qu'on vient d'opérer. Et la dame tombe par terre, à l'hôpital, et il abandonne là-bas. Il y a des hommes dans l'église qui sont violents envers les femmes. Il y a nos sœurs. tu vois la soeur à l'église, elle est triste, elle est toujours malheureuse. Elle ne parle pas. Et vous voyez, dans l'histoire, l'histoire raconte que la dame ne parlait pas. Ça nous montre que ce n'est pas une mauvaise femme. Non, ce n'est pas une mauvaise femme. Si c'était une mauvaise femme, elle se serait chamaillée, elle avait l'occasion de se défendre, de se justifier devant deux témoins. Mais si tu as prié, Seigneur, ramène mon mari, Seigneur, touche le cœur de mon mari et tu viens me dire qu'une telle femme est une mauvaise femme, je dis non. Je veux dire à la soeur qui m'a rendu ce témoignage, s'il vous plaît, contactez-moi. Je veux, euh, veux euh, entendre en contact avec cette femme. Si c'est possible avec son mari, que Dieu nous aide, si on peut les aider à revenir. Si l'homme de Dieu peut revenir à de bons sentiments, on ne tape pas sur la femme. Si vous êtes homme de Dieu, vous tapez sur votre épouse, vous êtes sous la condamnation, chers hommes de Dieu. Nous abusons du pouvoir d'homme de Dieu. Homme de Dieu ne te permet pas tout. Le titre d'homme de Dieu ne te permet pas d'aller n'importe où. C'est ça que beaucoup d'entre nous, nous nous retrouverons en enfer. Pourquoi Parce que nous pensons qu'être homme de Dieu nous permet de tout faire. C'est de la méchanceté. C'est être méchant. Si tu dois épouser l'enfant d'autrui pour la rendre malheureuse, pour la tyranniser, c'est mieux de ne pas l'épouser. C'est mieux de lui dire vraiment, chérie, je ne t'aime plus, prends ta voix et va, retourne. Dans ta famille. Ne, ne frustre pas la vie de quelqu'un d'autre. Ne frustre pas sa vie. Dans un tel ministère, Dieu ne peut pas le soutenir. D'où est-il venu aujourd'hui Que nous battions sur nos femmes. D'où est-il venu Que nous violentions nos femmes. Il y a des hommes qui ont la bouche amère plus que la vipère. C'est-à-dire qu'ils ne te tapent pas tape peut-être physiquement, mais ils te tapent avec ses paroles et sa bouche. Ils t'insultent bien. Il t'insulte, il insulte ton père, il insulte ta mère. On voit ça dans l'église et même avec les hommes de Dieu. C'est ridicule. Lorsqu'un homme de Dieu se chamaille avec sa femme, je pense que j'ai reçu des témoignages des hommes de Dieu qui bagassent les païens qui viennent les séparer avec leurs épouses. Et tu veux que ton ministère grandisse comment Les gens vont venir comment L'église va se vider. Puisque tout homme qui a le sang de la justice dans un tel ministère va partir. Parce que ça veut dire qu'il est au mauvais endroit. Une église où l'homme de Dieu insulte sa femme en public, la punit en public ou bien la traduit dans un conseil de discipline en public, mes amis, c'est un mauvais lieu, c'est un mauvais endroit, c'est un très mauvais exemple. Puisque l'esprit le, qui est sur ton homme de Dieu, c'est cet esprit que tu portes. Je vous dis la vérité. L'esprit que tu as, les mains qu'il t'impose là, c'est ce qu'il porte et qu'il te donne aussi. C'est ça que l'imposition de mains est très dangereuse. Je vais revenir là-dessus. Tu vas comprendre. Il t'impose les mains immédiatement, toi qui étais amoureux de ton épouse. L'esprit de violence entre en toi. La colère entre en toi. Tu te rends compte que tout ce que ta femme dit de bien, tu te fâches. Et un jour, bam, tu passes à la vitesse supérieure. Tu te trouves en train de taper ta femme. Pourquoi? Parce qu'un homme de Dieu qui bat sa femme a imposé les mains sur toi et il t'a transmis son esprit. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Et après ce message, allez lire Josué chapitre 1. Lisez le chapitre 1. Lisez. Il y a un détail qui va vous marquer. Il y a un détail. La Bible explique que Lorsque Josué s'est levé, l'Esprit de Dieu était sur lui. Israël a commencé à lui obéir. Et la main de Dieu était puissante dans sa vie. Et ses ennemis ne résistaient pas devant lui. Et la Bible précise une chose, parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. Moïse avait posé ses mains sur lui. Donc immédiatement, l'autorité de Moïse... A commencé à se manifester, le peuple l'a accepté. Le peuple s'est procéduré devant lui. Le peuple s'est soumis à Josué et ses ennemis ont tourné le dos. Et la Bible dit que ces choses sont arrivées pourquoi? Ces choses sont arrivées à Moïse. Et ce qu'on arrivé dans la vie de Josué, pourquoi? La Bible dit que Moïse avait posé ses mains sur Josué. Donc, lorsqu'un homme de Dieu pose sa main sur toi, il te transmet ce qu'il porte. C'est ça que vous devez bien réfléchir avant qu'un homme de Dieu ne pose sa main sur toi. Et tu dis son manteau, regarde. Son caractère, regarde son comportement, regarde comment il est. Est-ce que tu veux ce qu'il a? Tu mets ta tête, il met sa main sur toi. Est-ce qu'il y a une grâce Il met ta main. Donc si un homme de Dieu tape sa femme, est toujours colérique envers sa femme, se gris contre sa femme et il t'impose les mains, il y a de fortes probabilités que ton mariage hérite de ce même démon, de ce même esprit. Tu vas te rendre compte qu'après tu vas commencer à devenir colérique envers ta femme, et ta femme avec qui vous étiez en paix, tu vas commencer à la taper, à la violenter, à l'insulter, etc. Donc, chers hommes de Dieu, chers frères et sœurs, chers maris, aimons nos femmes. La femme est faite pour être protégée. Elle est faite pour être aimée d'un amour agapao, c'est-à-dire d'un amour inconditionnel. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Le vrai amour te fera supporter les faiblesses de ta femme. Le vrai amour te fera accepter les inconvénients, les inconvénients de ta femme. Ce côté-là, tu seras avec elle. Comme Jésus-Christ est avec toi dans tes faiblesses, il t'aide, il m'aide. Jour après jour, il nous aide à nous perfectionner, à revenir de nos égarements. Le mari doit aider sa femme à revenir de ses égarements et à faire de lui une meilleure personne. Il doit être compréhensif. Un homme qui n'est pas compréhensif, qui est toujours prêt à se mettre en colère, ne bâtit pas son foyer, mais il détruit son mariage. C'est ça que hier l'apôtre Pierre nous a dit que l'homme doit user de sagesse dans ses rapports avec sa femme, la femme étant un vase faible et fragile. Le rôle de l'homme, c'est de préserver ce vase-là, c'est de garder ce vase-là, c'est de protéger ce vase et de faire que ce vase ne se brise jamais. L'homme ne doit pas exposer la nudité de sa femme dehors. Mais aujourd'hui, même les hommes de Dieu, quand tu viens en pleine assemblée, parler des faiblesses de ta femme, tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Tu veux qu'on le prenne comment? Tu as tenté d'exposer sa nudité. Avec tu nous dis qu'elle ne vaut rien, qu'elle ne fout rien, qu'elle n'est pas digne d'être ton épouse. Et comment tu veux qu'on te respecte toi même? Moi, je ne veux pas respecter un homme qui ne respectait pas sa femme. Parce que s'il était respectueux de lui-même, il respecterait sa femme. Ce qui ne respecte pas son époux ne se respecte pas lui-même. Parce que les deux deviendront une seule chair. Tu méprises ta femme, c'est toi-même que tu méprises. Tu exposes ta femme, tu peux en lui faire du mal, mais c'est à toi que tu fais plus de mal. Ça montre que tu es un mauvais mari. Parce que si tu étais bon mari, tu ne viendrais pas exposer vos problèmes ici. Et en plus, un homme de Dieu. Non, mes amis. Ça montre que tu n'es pas un bon père dans ta maison. La Bible dit que si un homme de Dieu ne gère pas bien sa propre maison, Comment va-t-il gérer la maison de Dieu Et la Bible dit que si vous n'êtes pas fidèle dans les affaires d'autrui, qui vous confiera vos propres affaires Donc il faut faire attention, mes amis. Le mariage est sacré. Donc quand je vois ces choses, je pleure. Je pleure en comomie. Je la pleure. Je vous dis la vérité. Je la pleure. Mais Dieu est souverain. À lui, la gloire. Je suis son serviteur. Qui me soit fait selon sa volonté. Quand vous voyez parfois comment les hommes parlent des femmes dehors ici, vous comprenez que c'est des kamikazes. C'est dangereux. Donc mes chers amis. L'Église doit revenir, doit se répentir. Nous devons nous répentir. Nous avons échoué. à ce qu'on sait le mariage, on a échoué. Nous sommes allés très loin. Personne n'en parle. On ne veut pas réunir dessus. Parce qu'en en fait, nos consciences nous jugent. Parce que nous savons ce que nous vivons dans nos foyers. Nous savons que nous sommes des tyrans, nous sommes des dictateurs. Il y a des maris qui sont des dictateurs. Quand il arrive, la femme est terrorisée. Quand il sort, toute la famille est dans la joie. J'ai vécu dans un foyer comme ça. Lorsque le papa revenait, de cette maison, été adopté dans la famille quand ils revenaient, ces enfants biologiques, je vous dis la vérité, dès qu'on entendait la voix de papa Thomas Gaundele, pam D'autres se retrouvaient sous le lit, d'autres sur l'armoire, d'autres dans les herbes. Tout le monde avait une position. Tout le monde se cachait. Le lion était de retour. Non, au contraire. Lorsque tu rentres chez toi, ta femme doit être joyeuse de venir tomber entre tes bras. Oh, t'embrasser. Tes enfants doivent venir t'embrasser, dire papa, je t'aime, je t'aime. Nous sommes des parents, des pères. Mais nous ne portons pas notre responsabilité. Nos enfants n'arrivent pas à nous dire, papa, je t'aime. Ils sont terrorisés par notre présence. Ils sont témoins de la violence que nous faisons subir à leur mère. Comment tu peux gronder ta femme devant tes enfants Comment tu peux faire des reproches à ta femme devant les enfants, mes, enf mes frères Comment tu peux battre ta femme devant les enfants Quelle, quelle image du christianisme ou du ministère veux-tu C'est pour ça que certains enfants... Nos enfants, en tant qu'hommes de Dieu, sont tellement amers qu'ils ne veulent même pas entendre parler de l'église ou du ministère, ou bien que la vocation, pff, jamais. Ils préfèrent mourir que de devenir pasteur un jour. Parce qu'ils sont traumatisés par la violence de leur père contre leur mère. Ils disent que s'il faut être pasteur, homme de Dieu, pour, comme je vois là, ça ne vaut pas la peine. Et ils pensent donc que tous les hommes de Dieu sont comme ça. Ce n'est pas vrai. Il y a des hommes de Dieu qui aiment leurs épouses. Il y a des hommes de Dieu qui respectent leur femme. La manière dont tu traites ta femme en public montre comment tu la traites en, en privé. Un homme de Dieu qui ne peut pas vanter sa femme en public, prendre sa femme dans ses bras en public, embrasser sa femme en public, parler du bien de sa femme en public, ça veut tout simplement dire en privé, cette femme est martyrisée. Elle souffre le martyr. C'est ça la vérité. Nous devons honorer nos femmes. Hein? La Bible dit que le mari doit honorer sa femme. Le mari doit honorer sa femme. Le mari ne doit pas violenter sa femme. Il y a la violence verbale. Verbalement, tu ne dois pas traumatiser sa femme, ta femme. Et physiquement, tu ne dois pas la traumatiser. Au contraire, tu dois l'honorer. Tu dois l'élever. Tu dois faire en sorte que tout le monde la respecte. Si tu ne respectes pas ta femme, ton église ne respectera pas ta femme. Et ton église ne peut pas grandir si elle remarque que toi-même, tu n'es pas un bon mari. Les gens vont fuir. C'est pour ça que Michel va se détruire. Automatiquement, toute personne qui craint Dieu va partir. Pourquoi Parce que tu n'es pas un exemple, tu n'es pas un modèle. Donc, pour résumer, le mari, nous avons vu depuis hier, le mari doit user d'honneur envers sa femme. C'est-à-dire doit honorer sa femme. Il doit aimer sa femme d'un amour agapao, un amour inconditionnel. Il doit, pas, il, il doit user de sagesse, comme Pierre a dit. Il ne doit pas entrer dans la folie avec sa femme. Il ne doit jamais se chamailler avec sa femme. Il ne doit pas se quereller. Avec sa femme, il ne doit pas taper sur sa femme comme nous venons de voir aujourd'hui. Il ne doit pas s'agrir contre sa femme. Il ne doit pas user de violence ni verbale ni physique contre sa femme, mais il doit protéger sa femme parce que c'est aussi un vase de Dieu. Tout homme de Dieu qui ne fait pas cela n'est pas en train de respecter les lois sur le mariage et Dieu ne peut pas le soutenir. Nous avons vu que même Abraham, Dieu ne l'a pas soutenu lorsqu'il était en différence avec sa femme. Dieu a dit à Abraham Donne-lui tout ce qu'elle te demandera, tout ce qu'elle te demandera. Dieu a soutenu sa femme. Donc Dieu est du côté des, des, des femmes battues. Dieu est du côté des femmes marginalisées. Dieu est du côté des femmes maltraitées. Comment un homme de Dieu, je ne comprends pas la sorcellerie ici, Père, Père, je veux qu'on passe un jour. Comment un mari peut battre sa femme Comment un homme de Dieu, un serviteur du Dieu très haut, comment l'Église est arrivée à ce niveau Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Comment un mari, un frère, peut taper sa femme Et c'est la femme, on tape la femme, mes frères. Tu tapes ta femme. Même l'enfant avant de taper, réfléchis d'abord. À combien de raison Tu tapes ta femme comment Tu coup, toi-tu, si tu prends la ceinture. Tu fouettes ta femme, frère. Quelle humiliation Quelle méchanceté, quel égarement, quel, égarement! quel esprit d'égarement. L'enfant d'autrui. Elle a un père, elle a une mère, elle a une famille, elle a un frère, elle a une soeur. Tu viens, tu la bastonnes. Tu la fouettes, frère. C'est une esclave que tu as chez toi ou chez ta femme. Ta femme que tu dois honorer, que tu dois aimer, que tu dois exalter, que tu dois élever. Ta femme que tu dois idéaliser. Tu la fouettes, mon frère. Tu la fouettes, frère. Et tu vas prêcher quel évangile après Quel évangile Quel Jésus vas-tu prêcher C'est Christ qui t'a appris ça Jésus vous a appris ça, frère. Voici ce que la Bible nous apprend. Fondons le fondement de nos mariages sur ce qui est écrit. Après, tu vas prêcher quoi, mes amis Tu vas former quel mariage Tu vas former les jeunes comment Quel héritage leur donneras-tu Quel héritage donnons-nous à la génération qui vient Quel modèle sommes-nous Un homme de Dieu qui n'arrive pas à gérer son mariage, son ministère ne sera pas un exemple. Non. Devons-nous repentir Nous sommes allés trop loin. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal. Quand je vois un homme maltraiter sa femme, j'ai mal. Je ne peux pas être un ami d'un homme qui maltraite sa femme, qui insulte sa femme, qui menace sa femme. Toujours menace, je menace. L'enfant d'autrui est traumatisé. À l'église, elle est comme un pantin. Et maintenant, tu t'appuies sur ça pour dire que non, la femme, si, ce n'est pas la femme du ministère. Vraiment, euh, elle n'est pas de Dieu. C'est une sorcière. Mais tu ne nous dis pas que c'est pas, tu l'as battu le matin, qu'elle est perplexe. Tu as dit qu'elle a perdu les boussoles. Elle a perdu la boussole. Elle est déboussolée, elle est, elle est hurluberluée, elle est époustouflée, elle est époumonée par la violence conjugale. À l'église, elle sait qu'elle ne doit pas parler. C'est toi qui lui dis à la maison, si tu ouvres ta bouche à l'église, je vais te gifler quand on va rentrer. Elle est comme ça, après tu dis à l'église que vous voyez, elle n'aime pas le ministère, elle ne participe pas au ministère. Mais tu ne dis pas la vérité. Je vous dis la vérité. Tu ne nous, nous dis pas la vérité. Qu'est-ce que tu lui as dit à la maison avant de venir Qu'est-ce que tu lui as fait Chaque jour, ta femme a les grands yeux rouges. Quand on demande, tu dis que c'est l'Esprit de Dieu qui veut sortir par ses yeux pour nous tromper. Non, mes amis, non. Si vous le faites ou si vous le faisiez, répentez-vous de la méchanceté. Je ne pense pas qu'un homme de Dieu comme celui-là va hériter du royaume de Jésus. Beaucoup d'entre nous iront en enfer à cause de nos femmes. Parce que ta femme, c'est ta première brebis. Tes enfants, c'est ta première brebis. Ta maison, c'est ton premier troupeau. C'est là que tu dois montrer être un bon berger. La plupart du temps, nous les maris, nous sommes bons dehors, mais méchants à la maison. À la maison, on est des tyrans dehors, très gentils. Quand les gens nous voient dehors, mm", bon mari, à la maison, ma paf, mawashi guéri, kakato guérit. Ah, Même Jenny se demande que l'autre taille, ici, ça vient d'où. Tu ne peux pas être bon dehors et mauvais dans ta maison. Non. Sois bon dans ta maison d'abord, avant d'être bon dehors. Il y a des femmes qui, qui aimeraient être à la place des amis de leur mari. Oui? Parce qu'ils sont gentils avec leurs amis. Ils, la femme aimerait être aussi les autres. Parce qu'ils sont gentils avec les autres. Ils donnent aux autres. Mais à la maison, ils ne donnent jamais son argent à son mari. Ils ne partagent rien avec sa femme, je voulais dire. Ils ne donnent jamais son argent à sa femme. Il y a même les pasteurs qui ne rationnent pas pour punir la femme et punir les enfants. Ils peuvent au restaurant, ils mangent. Mais la femme est en train de souffrir à la maison. Elle n'a pas à manger. Frère, Dieu ne peut pas être avec toi. Dieu ne peut pas être avec toi. Porte le nom que tu veux. Bishop, apôtre, Prophète, évangéliste, ça c'est ta part là-bas. Je dis prophète Ferdinand, et Ferdinand, prophète Ferdinand et Kali, il n'est pas avec toi. Dieu ne peut pas être avec toi. Dieu ne soutient pas l'injustice, Dieu soutient la justice. Que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Demain on va continuer. Vous avez un témoignage, faites-nous parvenir votre témoignage et on va s'inspirer de cela pour voir ce que la Bible dit par rapport à cela. Vous êtes une femme, vous vivez certaines choses, certaines expériences et vous voulez partager pour l'édification du corps de Christ. On va traiter. La semaine-ci, le rôle de l'homme dans le mariage et la semaine prochaine, le rôle de la femme dans le mariage. Que Dieu te bénisse. Je veux bénir ta journée. Touche ton écran ou ta radio ou bien ton téléphone. Laisse-moi te bénir. Connecte ta main à ma main et nous unissons nos mains dans la prière. Père, je prie au nom souverain de Jésus. Délivre-nous, Seigneur, de l'égarement dans le mariage et je prie pour chaque personne qui est en train de m'écouter. Seigneur, que la restauration des foyers soit totale et parfaite. Toute personne mariée et qui vit le désarroi dans son mariage. Ô oh Dieu de la restauration, apporte la restauration dans les foyers. Tous célibataires qui désirent se marier, Seigneur, préserve et épargne-les de ce genre de mariage que nous de voir. Seigneur, tous fiancés qui vit des catastrophes dans le fiançailles, je prie que tu les délivres de ces catastrophes. Je bénis cette journée. Seigneur, toute personne qui a été connectée maintenant, qui sera connectée après, toute personne qui s'est abonnée et qui partagera cette vidéo, Seigneur, qu'une abondante grâce et bénédiction réside dans leur vie et dans leur journée. Je bénis ta journée. Va et prospère. Personne ne remportera une seule victoire contre toi. Aucun de tes ennemis ne tiendra devant toi en cette journée. Je te bénis au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il faut dire que le grand culte des plaintes à l'éternel qui devrait avoir lieu à Douala est reporté pour le dimanche 25. Il se tiendra dimanche le 25. Voilà. Que Dieu te bénisse. Et par la grâce du Seigneur euh, du Seigneur Jésus-Christ, nous, 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 nous sommes en train de nous préparer pour le grand cul de plainte ce dimanche 25. Que Dieu te bénisse. Bonne journée et que la main de Dieu soit avec toi. Ce soir, nous continuons avec le cheminet sur le mariage dès qu'il sera 16 h Dieu te bénisse. Je t'aime au nom de Jésus-Christ. Amen.